Salut à tous, et oui, c'est la déesse mille pattes, la fameuse. Je suis au musée Michelin, elle est exposée, elle est là devant nous. Donc pour rappel, elle a 10 roues, en fait plus une roue au milieu, parce que c'est une voiture qui a été initialement conçue pour tester les pneus poids lourds. D'ailleurs, originellement, elle s'appelait la DS PLR pour poids lourd rapide. Donc c'est Michelin qui l'a commissionné à Citroën. Donc Citroën à l'époque, donc c'est dans les années 70, était la propriété de Michelin. Et donc Citroën a fait une voiture avec un look sympa, donc en reprenant celle de la DS. Donc la voiture, elle pèse 10 tonnes, là pour simuler le poids d'un poids lourd. Elle est animée par deux moteurs Chevrolet 5 litres 7 de cylindrée chacun. Donc en tout, on a 11 litres 4 de cylindrée. 200 chevaux chacun, donc ça fait 400 chevaux en tout, quand même. Voilà un détail des moteurs. Donc on est sur de la belle mécanique. Voilà, ils sont superbes à l'ancienne avec les filtres à air circulaires comme ça. Bon, désolé, il y a pas mal d'éclairage, c'est un peu difficile de filmer. Donc elle est exposée au musée Michelin. D'ailleurs, c'est un musée qui est vraiment sympa à visiter si jamais vous êtes de passage à Clermont-Ferrand. Ça retrace l'histoire de Michelin et plein d'autres choses. Portez-vous bien!